Le fabricant de batteries industrielles Saft s'inscrit en légère baisse après avoir annoncé la cession de son activité de batterie au nickel. Et cette activité a été cédée à la société française d'investissement Active Invest. Et Saft prévoit une perte nette de 5,5 millions d'euros après cette opération. Et Société Générale a toutefois relevé sa recommandation achat sur le titre et son objectif de cours de 27 euros. Preuve, selon Broker, que le groupe dispose d'une situation financière solide. Et l'opinion des analystes de l'OPSA sur cette valeur est haussière. Le titre lâche 1,65% à la clôture.